pas de surprise et de joie. Se peut-il qu'en ces lieux, enfin je vous revois, que Pollux dans Corinthe ait rencontré Jason? Vous n'y pouviez venir en meilleure saison. Et pour vous rendre encore l'âme plus étonnée, préparez-vous à voir mon second Hyménée. Quoi? Médée est donc morte, ami? Non, elle vit. Mais un objet plus beau, la chasse de mon lit. Dieu, et que fera-t-elle? Et que fit Hypsipyle que pousser les éclats d'un courroux inutile? Elle jeta des cris, elle versa des pleurs, elle me souhaita mille et mille malheurs, dit que j'étais sans foi, sans cœur, sans conscience. Et lasse de le dire, elle prit patience. M'aider en son malheur en pourra faire autant. Qu'elle soupire, pleure et me nomme inconstant, je la quitte à regret. Mais je n'ai point d'excuse contre un pouvoir plus fort qui me donne à Créuse. Créuse est donc l'objet qui vous vient d'enflammer. Je l'aurais deviné sans l'entendre nommer. Jason ne fit jamais de commune maîtresse. Il est né seulement pour charmer les princesses et haïrait l'amour s'il avait sous sa loi rangé de moindre cœur que des filles de roi.